Mais il est pas facile, hein. Pas facile. Il va galérer la prochaine, c'est sûr. Ah ouais, là, c'est... Enfin, quand je jouais vite fait Game & Watch, je sais que Mewtwo, je détestais. Mais Zisneko s'adapte très vite, hein. C'est un joueur qui s'adapte très vite. Et on joue la loser finale. La loser finale, Zisneko. Francis, oh là là, ça commence déjà. Oh là là, petit setup là, petit 26%. Allez, on se met bien. Petit cookie au calme. Est-ce qu'il va pouvoir mettre la même 16%. Et essayer la Tamahawk. Francis arrive la Tamahawk de Neko. Ah, le jab. Ouais, le jab, ça va bloquer pas mal d'options de Francis. Ah ouais, là par contre c'est Neko, il faudra vraiment qu'il DIY ou DIY, je sais pas c'est quoi le terme exact. Ouh, c'est, attendez, c'est direct là, c'est direct. Il a le bucket là, là il one shot là. Là il gagne le match là. Dunstro il gagne le match. Oh là là, oh c'est serré, oh là là, se dire ça renverse un peu le match, tu sais. Oh, le toutout, ouais, bah, il préfère faire le toutout. Allez, crunch, peut-être pour passer en dessous du grab de Mewtwo. Attends, parce que pour l'instant c'est Francis qui mène la danse. C'est Neko qui trouve des phases, mais c'est pas facile. Ouais, surtout si tu prends ce genre de Shadow Ball, sachant qu'il peut plus les aspirer. Il est toujours sur ses frame trap, up throw, terminé, fin de parcours. Toujours le bucket. Important ça, toujours le bucket. Mais il faut l'utiliser, s'il l'utilise pas, il va se prendre des Shadow Balls, ça va lui mettre quelques pourcentages. Et Tamahawk, ok, le toutout. Non, bien DI du côté de Francis. Peut-être que ça tue plus maintenant à 89% sur le tout. Oh, le nerf tout smash. C'est beau. C'est beau. On aime ça. Et je vous rappelle qu'il y a toujours le bucket. Le bucket, ça peut one shot Mewtwo. Il me semble, enfin, c'est possible qu'il one shot direct. Et on voit que le Mewtwo, ouais, il joue un peu rentré. Ouais, un grab et c'est terminé exactement. Lolo. Ah, des petites saucisses, tout ça, au calme. Il va lancer une Shadow Ball. Oh, il a ride la Shadow Ball. Je rappelle qu'un grab est terminé. Francis qui joue extrêmement safe. Hein, on en revient sur le problème. Oh, il le tue avec le bucket. On le savait. Un Dunstro bucket, ça tue. 1-0. On le savait. On voyait Francis qui joue un peu en retrait, tout ça. Il avait raison, hein, de jouer en retrait. Là, c'est clairement ce qu'il fallait faire. Il se prenait un grab de mourir, mais. Ah, quel match là! Il faut pas que Zisneko ait un excès de confiance. Je vous rappelle que ça s'est joué à presque rien. Pendant toute la game, Francis était un peu. Bah il était premier en fait, hein. Allez, le grab, nerf. Toutout. Connecte pas. Allez, l'astro. Qui fait sur un fer, il veut reprendre l'avantage du stage. Hop, smash. Allez, il prend un gros avantage. Il tente, attention, pas tente. Non, on le sait, le taunt, jamais de taunt. Jamais. Ça, il va se prendre le karma dans la tête. Ah là là. On connaît le karma. Hein. Il rigole jamais. Allez, c'est... Neko a tout à faire, là. On a une bonne frame trap, hein, avec le nerf. Parce que quoi que tu fasses, tu te prends le nerf. Trop combo. Ouais, trop combo, mais je préfère avec le tout. Là, il pouvait tout après le. Ouais, ça sort pas mal, hein. Ah ouais, là. En fait, il s'attend pas à avoir un Game & Watch agressif.
Oh, le toutout. Toutout. Ouais, il va se prendre le fer. Attention de pas avoir, je vous ai dit, d'excès de confiance. Comme ça, par exemple, c'est un gros excès de confiance. Et c'est comme ça qu'on se fait punir. Souvent sur cette phase où on se dit, ouais, ok, c'est bon, tranquille, j'ai de l'avance. Francis, non, il dit non sur ce genre de phase. Hein. Non, je... Il n'y a pas d'avance. T'as pas d'avance. C'est moi qui vais tout faire. C'est moi qui vais suivre. Tu vas suivre ce que je fais. Tu vas peut-être douiller, mais t'inquiète pas. On est revenu sur une... On a ralenti le jeu. Là. Salut, Kessa. On a ralenti le jeu. Là, je pense que c'est plus chaud pour Game & Watch. Ah là, c'est vrai. Oh, oui, bah... Non, ouais. Elle a fait mourir. Oh. Ouais, ouais. C'est Game & Watch. Hein. Là, les deux, ils se prennent quoi que ce soit. Attention. Oh, oh, le fait. On est à 2-1 ou 2-0 ? 2-0. Oh. 2-0 pour Disney Go. Bien joué. Oh là là, mais c'est quoi ? Il vient d'où ? C'est quoi ? T'as la monnaie match? Non, c'est quelque chose, c'est la première. Là, on est en double, on avance moins. On est en double en semi-finale. Ça va, c'est bon. On a battu Nini, Raikos, Ligaru et Nini. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau ce set! En fait, on a l'habitude de voir Game Watch quand on a un perso qui est un peu statique, qui est passif. Oh là là, Cloud. Oh. Ah, ça pique Cloud. Aïe 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 aïe. Comme a dit Kessa, il a sorti la carte bleue. La carte piège, 5,99. Là, le match-up est trop dur pour Game Watch. Je pense que si je save là, il y a moyen. C'est dur, c'est très dur. Et il le sait, et n'importe quel joueur, Reiko par exemple, quand il joue Cloud, souvent il base il Snake Ball, très souvent. Ah ouais, ouais. Même Reiko, donc pour te dire. C'est que si je sais, il y a moyen, parce que c'est pas un main Cloud, tu vois. Il y a certaines phases, des fois il est pas. Ouais, mais c'est un bon joueur, tu sais, de base, c'est un bon joueur, donc. Bien sûr. Après, tu me diras, c'est un top tier, hein, le perso, il joue un peu tout seul. Après, je rappelle que c'était quoi ? Toujours un petit Mario de poche. Hein. Il a pas sorti depuis un moment, mais il pourrait. Ah non, ça va, ça. Ah, non. Oh, il a lâché le shield. Oh, le petit fer. Allez, il répond normalement. Toujours avoir un Cloud dans la poche. Hein. Ah, il se régale hein, pas mal. Sneko se régale pas mal. Et comme tu le dis, Tech, c'est toujours faisable. C'est très dur, mais c'est toujours faisable. Sneko alterne bien ses landes. Hein. Il arrive bien à land. Parfois, il air dodge. Parfois, il attaque. Ouais. Il a raté l'edge. Dommage. En plus, il a même pas réussi à avoir. C'est quoi ça? Ça, c'est une petite phase pour Aziz Neko qu'il apprécie, tu vois. C'est une petite phase qu'il aime bien. On prend 35%, on prend clairement. Hein. Oh! Ça. Il y a une phrase que je dirais tout le temps de Aziz Neko qui dit: t'as pas une chance sur 9 d'avoir le 9, enfin de. T'as une chance sur 9 de gagner la game en fait, clairement. Surtout ce genre de phase. La Cloud avec la limite, ça va être vraiment dur. Hein. Faut vraiment qu'il essaie de jeter off stage pour lui faire. Voilà. Ouais. Après, il y a le stage qui a bien aidé aussi. Ouais, là, un retournement de stage, ça peut être pas mal. Hein. Parce que, ouais, c'est pas le meilleur stage pour Game & Watch. Est-ce que Francis y arrivera? Par contre, on connaît Zizneko. Et Zizneko, il aime bien le douille. Il est très réactif, surtout. Et là, ouais. Là, ça va être difficile. Ah, le 9 sur ce match, il n'a pas voulu sortir. Hein. Ouais. Ah, il a gardé. Ouais, du coup, il a gardé Cloud. Hein. Ouais, bah oui. Le petit Pocket Cloud qui sauve des mises. Ah, là, pour le coup, il sauve vraiment. Franchement, je trouve ça ouf. Je pense que c'est le top tier qui gagne le moins d'investissement et qui fait le plus de résultats et qui peut justement il carry un peu quand même. Ouais, c'est vrai. T'as carrément raison pour le coup. C'est un perso que. Ouais. Bah, de toute façon, généralement, tous les top players, plus ou moins, ont un petit club caché. Hein.
au cas où s'ils se prennent des grosses douilles. Là, regarde. On fait que bourrer des EPR, backer, tout ça, et sur la moitié des interactions, il essaye. Ouais, c'est gagné le match. Ah, les nerfs, il tente pas le 9. Hein. Il joue beaucoup plus safe que d'habitude. Il faut qu'il joue bien avec le shield là, Zizneko. Peut-être le. Non, le tout qui passait pas. Il l'a bien fait là. Oh. What? Avec le vent peut-être, c'est bizarre. Mais ouais, non, mais je trouve qu'il a bien fait pour lui faire gaspiller sa minute. Parce qu'il met vraiment la pression avec sa minute. Là où. Ouais. Nice. Il va avoir du mal à Réco, il a juste à attendre. Il attend, il va sortir un backer. Là, il a juste ça à faire. Et vu que, bien sûr, vu que tu shield, il a juste à grab. Et ça met la pression parce que. Je suis en train de faire un petit match. Dans ses backers, parce que clairement, il y a moyen. Pas si. Pas si space. Pas il est space. Si il est space, ça passe pas. Ah, mais le truc, c'est que là, par exemple, il fait que des short top backers en. Ah, mais c'est pour ça que le matchup il est insane. Hein, pour, Ah, mais il peut très bien mettre un fer. Moi, je pense qu'il peut. Clairement. Si tu le vois faire. Ah! Allez, tout, non, ça va pas passer. Gank Ayoko, non, joli. Ça, c'était bien trouvé parce que sinon, il se prenait plusieurs. Une grosse phase. Non. Oh, nice! Ouais, ouais. Ça m'a l'été. C'est des genres de répétition, quoi. Comme il tire avec Mewtwo, mais c'est aussi, il a ce genre de répétition où un jour ou l'autre il va. Excuse. Là, on l'attend tous, le 9. Hein. On l'attend tous. Non, il veut pas le sentir, il veut pas le sentir sur le 9. Je pense pas que vous pouvez combo break avec ça. Le petit nerf là. Allez, la dash attaque. Il y a toujours l'avantage du stage. Oh là là. Joli pivot grave. Hein. Allez, ça gaspille la limite. Oula, les phases Wi-Fi là. Attends. Il a plutôt. Oh, plutôt. Oh, il a plutôt. Ah, c'est quoi cette force? Bien joué à Neko, qui est en grande finale. Neko, grande finale, il bat Francis, mais c'est quoi cette force? Il a grillé son saut de nulle part. De. En fait, il a une quand il a tutut, il a grillé son saut, et vu qu'il est parti chercher l'edge, il a juste mis un fer, et vu que c'est Cloud.